c'est ça. Mais c'est ça la maison. Bah il va pas. T'es con. Ma gueule, j'ai essayé de la faire celle-là, t'es coriace hein. Non mais attends. Il a le personne a précisé qu'on avait pas le droit de tricher dans les règles. Let's go, yes, commencez. Ce mélange là, je l'ai appelé le mélange à l'eau. Stop. Wesh les mecs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici MS, aujourd'hui, nouvelle vidéo. On aura 3 épreuves. On est avec la fine équipe. On est avec Los Krakitos. On est avec DHM. On est avec Krakitos. On est avec Chocho. On est avec Chocolat. On est avec Overtech. Et Kesmaïn. On est avec Rayton. Rayton, première rencontre. Première fois, les gars. Première rencontre, moi et Rayton, et moi et Gizmo aussi. Et on est avec Yusra et Exilia. Aujourd'hui, les mecs, on a préparé des petites épreuves. Je leur ai pas dit sur quoi, à quoi ils vont s'affronter. Il y aura des gages. Les gages sont prévus, les gages sont écrits, mais ils savent pas encore sur quoi ils vont devoir se battre. Et j'ai peur. Et la vue de script et tout. Moi, je suis pas tout spoil. J'espère que vous êtes prêts. Il y a des trucs en équipe, il y aura des trucs en solo. Il va falloir bouger. J'accueille désormais le maître du jeu, Ikei Shoka, qui va nous guider. On va nous guider sur le script. Vous allez vous affronter sur une épreuve de mathématiques. Quoi? Vous allez devoir faire des calculs. Je suis devenu youtubeur pour éviter tout ça. Je vous laisse créer des groupes de 2 personnes. Il y aura 6 opérations par groupe. Et vous n'aurez que 2 minutes 30 pour les réaliser. Vous allez avoir 2 multiplications, 2 divisions, ainsi que une soustraction et une addition. Les soustractions addition valent 1 point. Les multiplications, 2 points. Et les divisions, 3 points. Ah, mesdames et messieurs, je vous offre chacun votre papier qui vous servira à faire vos calculs. Tenez, faites passer. Une feuille de papier pour deux. Une feuille de papier pour deux, c'est-à-dire. Non, moi je préfère 3 feuilles de papier. Oh, je suis un génie. Wesh. Gars. C'est hyper dangereux. Non, c'est dangereux. Qu'est-ce que tu fais, Rouillard? Non, j'ai fermé. Mais ça fonctionnera même pas. Ouais, mais dans le doute. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais former les équipes. Au tirage au sort, bien sûr, je suis la main innocente. On y croit. Premier nom, DHM. Rayton. Oui. C'est ça qu'on veut. On a gagné là. T'as Overtech. Gizmo. Ah, mon sang. La type de gros porc. Ça, t'es en étude, ouais. UMS, Zilia, l'équipe des Ninguis. Choisis ses autres. À chaque fois, ils s'affrontent ou ils s'entendent. Ah, ouais, c'est vraiment. Mais celle-là, elle fait pas aussi. Hein. Très très mal. Celle-là. Mesdames et messieurs, vous allez pouvoir récupérer directement tous vos calculs. Vous êtes l'équipe 1. L'équipe 2 et l'équipe 3, et vos calculs sont là. Ah ouais, je suis les 3 dernières. Attends quoi? Je suis en plus 2 minutes 30. Quoi? Ok, j'en ai un. Ok, je vais tenter celui-là. Je fais le dernier. Et moi j'ai le 2 et 3. Tu les as fait le 2 et 3? Ouais, ouais. Attends, 5, 47, 3 fois 6, 18, 19. Eh frère, voilà, j'en ai fait qu'une seule, wesh. 8 minutes 30. J'ai envie de crever, arrête. Moins 1, mais les amis, il vous reste 30 secondes. Bah, beaucoup de fois. HM aussi, il fait que parler. On descend de 7, je remonte de 2, ma bite. C'est bon, c'est fini. Il faut arrêter, lâchez vos stylos, vos crayons. Et on va faire les comptes. Équipe 1, donnez-moi vos calculs et vos réponses quand même. Pour voir si c'est bon. 379 x 64. 24256. Très bien. Deuxième, t'as fait plus et moins. Ouais, moi j'ai fait plus et moins parce que. Alors t'as trouvé combien sur le plus? 10559. Très bien. Deuxième. C'était 139. Quoi? Mais c'est pas possible. Une addition et deux multiplications, donc ça fait 5 points pour l'équipe numéro 1. Équipe numéro 2, et okay. Quels ont été vos calculs? Le premier, 217 x 43, on est sur 9331. Très bien. 2 points. Le deuxième, j'ai pas le calcul, mais j'ai le résultat, c'est 420. Et non, c'était 29. C'est divisé? Et oui. Et c'est malheureux, 29, le point n'est pas retenu. 4001 moins 3232. Vous avez trouvé combien? C'est 169. Oui. Le quatrième, attends, le quatrième, 602 divisé par 14, 43. On a 43, très bien, 3 points de validé. Il vous reste l'avant-dernier, 3080 plus 6449. 9531. Et non, c'était 529. L'équipe numéro 1 se fait dépasser d'un point par l'équipe 2. L'équipe numéro 3, donnez-moi vos réponses. 7691, 1 point. De valider pour l'équipe numéro 3. La division 910 divisé par 14. Ma gueule, j'ai essayé de la faire celle-là, t'es coriace hein. Soustraction, dis-moi. 1116. Non, mais malheureusement, non. Ça va, tu vois aussi. Donc ça nous fait un point là. C'est la hagra. C'est la hagra atomique. Allez, mesdames et messieurs, on va passer au deuxième round. Duo 3 a eu des petites difficultés. On va leur donner l'opportunité de se rattraper avec l'exercice. Il y aura deux problèmes différents. Alors là, les gars, si vous trouvez les réponses, vous êtes les boss des mathématiques. Ce que je vous propose, problème
problème d'équation. Mesdames et messieurs, le premier exercice, je vais vous le dicter. L'âge de Luc est le double de l'âge de sa sœur Sylvie. L'an prochain, ils auront à eux deux 23 ans. Calculez les âges actuels de Luc et de Sylvie. On désigne par X l'âge actuel de Sylvie. Attends, c'est... Ok. Mais c'est pas le double. C'est le problème. Les amis, il vous reste 15 secondes pour résoudre le calcul. Dans 3 secondes, c'est la fin. C'est fini, le gong a sonné. Vous retournez votre feuille et vous allez me donner chacun votre réponse. La réponse, si elle est bonne, vous donne 2 points. Équipe numéro 1, quelle est votre réponse? 10,5. Faux. Quoi? Yes, let's go. Yes. Équipe 2, l'âge de Sylvie. Actuellement? Oui. Bah du coup c'est 8. Non, non, mais yes, bon. Mais non, c'est 7 ans, yes. Mais il a 2, c'est bon, les deux. Ok, 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 ok. Luc il a 14 ans, Sylvie elle a 7 ans. Bah c'est ça. Bah si, ça va, mais non. Bah t'es con. T'as dit 8 ans. Tu dis actuellement. Bah oui, je l'ai noté, j'ai noté 7 ans. Vas-y, t'as dit qu'il est noté. Non, je l'ai noté. Je l'ai noté. Non, 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 on a dit ce qui est noté sur la page. Il l'a écrit, lui, il l'a écrit sur la page. Mais il a mal compris ce que Chocolat. Ma mère que j'ai demandé, je pensais qu'il demandait à l'âge des... au moment de 23. Voilà. Mesdames et messieurs, on a 2 points de validé à notre droite. Et ce que je vous propose, c'est le deuxième exercice. Un livre m'a coûté 12 euros, ce qui représente les 3 cinquièmes de mes économies. Quel était le montant de mes économies? Allez, mon Glock va s'en charger. J'ai mon 9 mm. Équipe numéro 1. J'ai pas fait le décimal, mais en décimal c'est 36 cinquièmes. Ça fait quoi? Il me faut la réponse maintenant. Le calcul n'a plus le temps. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais non, de toute façon, le résultat c'est 5 cinquièmes. Là t'as pas le droit, mon coco, fallait faire avant. C'est un résultat 36 cinquièmes, je suis désolé. Il me faut les sous qu'il y a sur l'économie. Tu as 5 secondes pour me dire le chiffre. Tu le vends? Oui, merci. L'équipe numéro 2, je vous écoute. 20. D'accord. L'équipe numéro 3. J'ai pas que 20. Non, bon. Mesdames et messieurs, sa mère, c'est ça. Il y a tous 2 points. Bah ouais. Félicitations. Ah, on est au 35e, c'est 35e, c'est 35e. Ça peut pas être 35e. Ils m'ont dit 20 euros. Si, ils m'ont dit 20 euros, c'est leur réponse finale qu'ils ont validé. Personne n'a précisé qu'on n'avait pas le droit de tricher dans les règles. Ouais, dans l'idée. Ouais, à l'école, on triche. Ce que je propose, le maître du jeu a la vérité absolue. Donc, ils ont 1 point, parce qu'ils ont très bien joué avec les mots. Les gages seront faits en fin de vidéo. Alors le gage qui est imposé pour les perdants de cette épreuve, mesdames et messieurs, il faudra citer un tweet avec son partenaire et se mettre d'accord sur quelque chose de très honteux à dire directement sur Twitter. Bon, c'est l'heure d'assumer le gage qu'on avait dit. Faut juste que je retrouve les tweets. Few inches later. Moi je me rappelle du mien. Toi tu dois tweeter un truc sur le foot. Il y a beaucoup de misogynes qui vont répondre à des trucs Ouais, ils vont me prendre une vague d'infollow et d'insultes. Bah après quand ils vont savoir que c'est un gage, ils vont fermer leur gueule je pense. En tweet, on laisse 5 minutes. Non, arrête, t'as dit 15 minutes la dernière fois, t'as dit 15 minutes, wesh. Non, on a dit 15 minutes. 5 minutes. Ah oui, mais on devait le faire genre... On devait pas le faire à 21h quand il y a toute la France sur Twitter. Non, 15 minutes. Eh, hey, 5 minutes, je te jure qu'il y aura tout le monde qui le verra. Non, allez, 15 minutes. Allez, on respecte les règles. On arrondit. 10 minutes. Je crois que c'est... Attends. Je le remets en cause de la sécurité. 1, 2... Ok, attends, bon. Là, j'ai tweet, attends, je montre à l'écran. Voilà, comme vous pouvez... Bon, c'est à l'envers, mais c'est pas là. 3, go. 2... Votre tweet a été publié. Oh putain, attends, ça va être chaud, je pense. Few inches later. Attends, ouais, on va aller voir. On commence par le tien en premier. Oh putain. Attends, 28 réponses, what the fuck. Déjà, il y a un tweet cité. J'ai rien vu. Vas-y, il a répondu avec la canne à pêche. Ah, elle fait comme avec nous. Normal, nos vannes sont synchro avec ma femme. Oulala, Xidia, tu me caches quoi là? Non, tu trolls. Ouais, de ouf, même depuis Neymar. Y'a un mec qui t'a suivi, wesh. Y'a un deuxième tweet cité. Oh, c'est toi, ok. Putain. Ok, vas-y, on part voir mon tweet. Moi, je pense que les gens ils savent que c'est du troll envers. Vas-y. Ok. Y'a Yanté qui a répondu. Je vais péter mon crâne, ça fait 72 heures, tu regardes nos rushs, tu peux me le dire direct. Ah, parce que je suis en train de monter une vidéo pour lui. Je suis en train de monter une vidéo dans la cabinet, wesh. Aïe. C'est quoi ce tweet au juste? Y'a un mec qui m'a dit pourquoi ça? Non, UMS, pas toi. Gage hors note. Ah, lui, il a capté. Mais pourquoi il pense tous que je vais bouffer le chibrianté là? C'est quoi ce délire? Tu bugs beaucoup aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup de bugs. Mais c'est parce qu'on est sur Discord, il y a des petites interférences. Ni vu ni connu. Hop là, supprimé. Oh, allez. La prochaine épreuve est une épreuve de TikTok. 10 minutes pour créer le meilleur TikTok de votre vie.
parce que vous allez être jugé par toute l'équipe présente ici. Okay. Ceux qui auront la plus petite moyenne auront un gage très intéressant. On reste en duo. Le gage de ce défi, c'est de poster une photo sur Instagram de ses pieds nus. Moi je veux perdre, je veux perdre. Mais non, 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 c'est comme ça. En duo. Moi je veux poster mes pieds, ils sont trop beaux. Je suis pas du tout de. Moi ils ont des fois. Mesdames et messieurs, il y aura un joueur seul UMS étant donné qu'une des participantes a eu un petit problème, donc elle ne sera pas présente. Par contre, les épreuves continuent. Mesdames et messieurs, vous avez 10 minutes. Je lance le minuteur. Aucune idée. Je vais lui faire un truc stylé. Genre le pourquoi faire, il est dans la salle. Et dès qu'il y a la musique qui repart, après on est dans le couloir. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Vas-y, vas-y, moi je suis. C'est bon, on a trouvé notre TikTok là, ça va. Okay. 1 minute 57. Vous avez tous vos TikTok? Ouais, c'est tout bon. C'est la fin du timer. On va passer au visionnage. C'est parti, les gars, TikTok. Overtake et moi-même. Ça va juger là. Ça va être. Allez, bâtard! Oh, il est bien! Allez, bâtard! C'est une note par personne! Moi, je vais noter deux choses, qu'elle soit les messes tout le monde, le fait que ce soit drôle ou pas. Franchement, marquer un point de fou. Je vais mettre une note de 7,5. Oui, merci. Merci pour ton honnêteté. Allez, vas-y, vite! Oh, ça, c'est mon saut! Là, les notices, bah! Non, parce que l'idée pourquoi faire, elle est connue, wesh! Là, vous êtes prêts? C'est un autre délire! J'suis dans un gros gamos. Dans mon bolide, la concurrence elle est derrière moi. J'suis dans un gros gamos. Fais belek, j'ai le Hendrick derrière moi. J'suis dans un gros gamos. T'as des transitions et tout, wesh. Attends, alors, ça se voit que le mec il a l'habitude, hein. On avait dit. Ouais, attends, attends. Eh, peut-être j'ai l'habitude de faire des TikTok drôles comme vous. Moi là, ça c'est juste good moods, tu vois. C'est un autre style de TikTok. J'ai déjà la note. C'est plutôt une démo technique en fait. J'ai déjà la note. J'aime rire, c'était pas drôle. Ouais. Mais pour le montage. Donc deux. Donc en vrai, il a raison, il a raison. J'ai sorti donc 7,5. Le montage, franchement, il m'a bluffé. Ok, tu l'as dit bien. Je crois que j'aurais dit pareil, 7,5, ouais. Ok, ça va, on est bien. Le montage est. Good de ouf, frère. Je donne 7. 7. Ouais. C'est noté. Et du coup, moi je mets un 7 aussi. Non, c'était tout seul. Eh, hey, on a dit on est adulte, genre je suis tout seul. Allez-y, madame, vous allez le faire. Allez-y, allez-y. Vas-y, Juju, il sort. Allez, Juju, allez. Bien joué, madame, bien joué. Let's go. Oh, dites-moi que c'est une petite. Oh, la peur de meule. Oh, la peur de meule. Putain, tu fais bien? Non, non, c'est. Petit shaker de whey, 27% de protéines. Tu m'en tireras des nouvelles. Maintenant, tu te lèves, tu vas faire des pompes. Allez, allez, vas-y. Moi, je vais jouer un autre direct, je l'ai déjà. Franchement, avec toute objectivité, c'est. Tu vas bien, si c'est le micro. Non, tu sais pourquoi je mets 7? Parce que c'est pas mon humour, c'est-à-dire que ça me fait pas rire. Mais l'inspi d'avoir ça, après, faut être monstre. Et vraiment, je te mets 9. Oh, non, mais attends, c'est mon gars! C'est mon gazon! Ah ouais. Il voit un enfant, il fait. Oh, les meules! Frère! C'est du génie! Ouais, elle est 7. En vrai, c'est. Non, mais t'as fait de l'humour? Ouais, pareil, 7. Hein. Moi, je mets 7,5. Je le dis juste comme ça. Je mets allez, vas-y, je te suis 7,5. Moi, je reste à 7. Bah, ah, vous avez mis 7,5? Vas-y, je baisse un peu pour que ça. Moi, du coup, je passe à 8. Va falloir qu'on fasse le calcul des moyennes. Le grand gagnant, mesdames et messieurs. Gazo, c'est mon maître du jeu. Ça. Les perdants vont devoir poster leurs pieds. C'est vrai. Je vais mettre mes pieds en plein milieu. Ça, c'est mon végétarien. Vous pieds, là. Allez, vous kiffez, les gars. J'espère. Ah, je bande là. Ah, ici, ça shoot. Hein. Oh, what? Ah, c'est beau. Hein. Attention. Celle-là, elle est parfaite. On a un meilleur coup de France. Là, on a un meilleur coup de France. Non, en fait, j'ai vraiment pas réussi dans le chou, mais si, juste la fausse. Ok, c'est bon. Et frère, tellement trop marre. Et c'est les petits poissons là qui mangent des peaux mortes. C'est et du coup on les passe maintenant? Ouais, maintenant. Vas-y, 3, 2, 1. Hop, bon, let's go. Comment on va perdre ma carrière en vie, hein. Là sur Insta moi j'ai des commentaires hein. Pourquoi tu fais ce genre de photos gratuitement? Quel fétichissement de rire? Tes grands pieds là. Il y a des gens qui se demandent pourquoi j'identifie Mbappé. Vends tes pieds, tu as acheté où tes chaussures? Puis on m'a dit tu t'assumes ouais, enfin. Non, plus jamais. Oh, on va les vendre sur OnlyFans à skip. New Fortnite, frérot, lâche pas, c'est vieux. Il y a eu 9 likes, ouais. Mec, y'a plein de jeux noirs en face, regarde.
Y'a plein de jeunes Laurent Boss. Il va t'allumer. Ah Thibaut, regarde-moi droit dans les yeux là, tu veux te battre. Je rigole. Coucou toi. Ce mélange là, je l'ai appelé le mélange Haroul. Répète après moi le mélange Haroul. Le mélange Haroul. Le mélange Haroul. H-A-R-O-U-R. Un œuf cru. Mec, stop. Mais mec. Mais tu sais qu'ils vont. Attends. Tu sais qu'ils vont avoir une diarrhée ou pas? Grosse force au premier, ça. Non, t'as abusé. Il y a le troisième. Oh mon dieu. Montre aux gens ce que c'est. C'est le mélange Haroul. Attends. Par contre, Zidane nous a quitté, j'ai un peu le seum. J'aurais bien aimé qu'elle goûte le mélange Haroul. On va pas spoil, on va mettre le plus loin possible comme ça les odeurs. Non, parce que moi je vais mettre ça plus loin que toi en fait. Là ils vont juste. Bah non, du coup là c'est plus drôle là. Là mon ref, c'est le mélange Haroul. Tu jettes le mélange Haroul. Ouais, t'as raison, c'est du gaspillage en plus. Oui, c'est le mélange Haroul. Mesdames et messieurs, on se retrouve pour la troisième et grande et dernière épreuve surtout. L'épreuve Acrosport. Et oui, il va y avoir deux types de figures. Il faudra en choisir trois. Deux types de difficultés. Pour les difficultés 1, 1 point. Difficulté 2, 2 points. Mais attention, il faudra les tenir devant le jury. Et ces 3 secondes, c'est validé. Sinon, à toi. Si je gagne, c'est moi qui décide de qui commence. Et si tu gagnes, c'est toi qui décide. Ah, je suis un petit enfant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go, yes, on va commencer. Vas-y, vas-y. 1, 2, 3. Voilà. Et là, tu tiens, voilà. Et là, maintenant, tu vas me donner tes mains. Est-ce que tu lèves? En fait, celui qui m'a fait le poil, c'est le chef. On est bien là? Ok, c'est bon. Tiens-moi les épaules. Aïe, excuse-moi. C'est vous? Tiens. Ça va, mon gars? Attends, descends-moi, attends. Non, je te garde. Je te garde, je me barre avec. Vas-y, 1, 2, 3. Let's go. Ça, vous mettez la pression là. Ça va, il faut aller un petit peu. Détendu. 1, 2, 3. Il a pas les jambes. Lui, les épaules, il a mis les bras comme ça au-dessus de ses épaules alors qu'il tire les épaules. Bah oui, frère. Ouais, on le voit en vrai qu'il m'a tenu les épaules. Ravale ton seum, toi. Non, là par contre, j'ai pas de seum là. Personnellement, j'avais dit. Non, il a validé, il a validé. Aïe. Ils vont goûter le mélange Halo. Attention, attention. Il est coupé, frère. Si vous allez prouver, vous savez le faire une deuxième fois, d'une manière correcte. Les deux points vous seront attribués. Et si vous allez gagner. On a un point, on fait égalité. Et tout se joue sur une dernière figure, un seul essai. Et c'est lui qui choisit la figure. Oh non. Regarde sa tête, elle est dans les corollaires que la première. T'as vu la tête comme ça là, ici. Pour déterminer le vainqueur, ça va se jouer sur une dernière figure. Vous allez réaliser exactement la même. Si elle est réussie dans les deux cas, je vais choisir l'équipe qui la réalise le mieux possible. Vous allez devoir la tenir 5 secondes. Gars, vous allez réaliser donc la première figure de la difficulté 2. Vous allez devoir tenir la figure 5 secondes. 2, 3. On lève la jambe. Là, je sens que c'est un peu plus fébrile. Oula. Non, c'est bon, c'est pas ça. 3, 2, 1, tout le monde. La jambe, elle doit faire un U, DHM. 2, tu peux pas, je suis pas sûr. 3, 4, 5. Ouais, je me souffle. Ok. Deuxième essai. 1, 2, 3, 4, 5.
Ils l'ont mieux fait que vous. Voilà, voilà. Ouais, les mais gars. Non, on l'a fait une fois. On départ. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense que j'ai fait un choix. Il y a une des deux équipes qui, dans la figure, elle a vraiment pas bougé. Genre, c'était vraiment très solide. L'équipe gagnante est celle de UMS. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Elle a arbitré. Il est vendu. Let's go! C'est quoi ça? Moi, je donne. Oh là, je perds de. Il est parti au DH. Chuba. Oh. Eh, vous êtes des putes. Bon les mecs, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez un deuxième épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche de notif. Merci à ceux qui ont participé, ça fait extrêmement plaisir. Le mélange halal restera gravé dans les mémoires. Code UMS dans la boutique les gars. Bonne soirée, bonne journée, c'était UMS, ciao.